Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de cours de comptabilité approfondie où je vais aborder avec vous la participation et l'intéressement des salariés. Comment est-ce que ça se calcule? Comment est-ce que c'est réglementé? Comment est-ce que ça se comptabilise? Voilà, vous êtes sur la chaîne La Prof Carole Grillet, enseignante depuis maintenant plus de 20 ans en gestion comptable et financière. Je vous partage sur ma chaîne des vidéos de cours en gestion comptable et financière. Alors, pour vous aider dans la compréhension de cette vidéo, je vous propose dans un premier temps un plan. On va aborder les objectifs de cette notion de participation, d'intéressement, et on verra aussi les plans d'épargne. Et puis on verra des plans en deux parties sur les trois éléments. On verra donc le cadre légal de la participation, le calcul de la réserve spéciale de participation et la comptabilisation de la participation des salariés. On abordera après l'intéressement avec le cadre légal et sa comptabilisation. Et enfin les plans d'épargne avec le cadre légal et leur comptabilisation. Voilà, je vous laisse vous les installer, le temps d'un petit jingle et je vous explique tout ça. Alors, dans un premier temps, il est important de savoir pourquoi il est important de connaître ces différentes modalités de participation des salariés, d'intéressement ou de plan d'épargne entreprise. Quels sont les différents objectifs de ces mécanismes ? Des outils de management du personnel et ça dépend en fait, ça découle de la fameuse carotte. En fait, on considère qu'une partie du personnel va être motivée par une rémunération complémentaire qui va résulter de résultats positifs de l'entreprise. Il s'agit d'une source de motivation individuelle, le salarié peut changer sa façon de travailler, peut retrouver une source de motivation personnelle, mais c'est surtout un outil de motivation collectif, puisqu'en fait les résultats de l'entreprise résultent des efforts collectifs et de ces résultats collectifs vont découler des rémunérations supplémentaires pour l'ensemble des salariés. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est de dire si vous gagnez plus, si vous travaillez mieux, on va dire ça comme ça, vous allez gagner plus. Premier mécanisme, et qui est quand même le mécanisme le plus connu, c'est celui de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, et on va voir que c'est réglementé depuis déjà quelques années. Il s'agit déjà dans le principe de comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit de considérer que les salariés participent à la création de valeur ajoutée par l'entreprise, et en cela, il est logique, équitable, normal qu'ils récupèrent une partie de la valeur ajoutée créée grâce à leur propre travail. Donc cela résulte d'une ordonnance de 1967 qui a été mise à jour en 1986 et cette ordonnance oblige à distribuer une partie des bénéfices de l'entreprise à ses salariés. Alors cette obligation, elle est pour les entreprises de plus de 50 salariés, mais les entreprises de moins de 50 salariés ont quand même la possibilité de distribuer des bénéfices à leurs salariés. Il faut savoir que ça résulte néanmoins d'un accord de participation et donc cet accord de participation va définir évidemment le calcul, même si c'est réglementé, mais les différents détails de répartition et d'utilisation de cette réserve. Parce que oui, en fait, il ne s'agit pas de distribuer de l'argent directement aux salariés, mais il s'agit de doter de l'argent à une réserve spéciale de participation. Alors en fait, pour le salarié, l'intérêt, c'est que cette réserve spéciale est exonérée de cotisations sociales. Elle est soumise uniquement à la CSG à 7,5% et à la contribution de remboursement de la dette sociale, la CRDS, à 0,5%. Par contre, les fonds sont souvent bloqués sur une certaine durée. Généralement, on est sur 5 ans, puisque lorsque les fonds sont bloqués sur 5 ans, ça permet d'éviter une imposition sur le revenu. Si les fonds sont bloqués 3 ans, c'est la moitié qui n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu. Pour ce qui est des entreprises, le point de vue de cette fois-ci de l'entreprise, elle aussi est exonérée de charges sociales, mais par contre pour les entreprises de plus de 250 salariés, elle sera soumise à un forfait social de 20%. Donc outre le fait que c'est une obligation, ces sommes en fait qui sont quelque part des compléments de salaire bénéficient d'exonérations sociales assez intéressantes. Voyons voir maintenant du coup comment se calcule la réserve spéciale de participation, puisqu'on a parlé de cadre légal, et dans ce cadre légal, la formule de calcul est précisée.
On va voir la formule qui est indiquée dans le régime de droit commun. Il faut savoir qu'il existe un régime dérogatoire. J'en parlerai pas plus que ça, sauf à vous dire qu'un régime dérogatoire, c'est lorsque le montant de participation qu'on calcule est supérieur au régime de droit commun. Donc, la formule qui est indiquée est la suivante. La réserve spéciale de participation, RSP, c'est la moitié de B moins 5% de C fois S sur B. On va préciser évidemment de quoi on parle. Donc, dans la formule, on a le B. C'est le bénéfice net, c'est-à-dire c'est le bénéfice déduction faite des impôts. Attention, des impôts au taux de droit commun et on ne prend pas en compte les crédits éventuels crédits d'impôt. C, c'est pas capital, c'est capitaux propres. Donc on va avoir le capital appelé, les primes liées au capital, primes d'émission, primes de remboursement par exemple. Les réserves, le report à nouveau, l'écart de réévaluation libre. Les provisions qui ont supporté l'impôt, les provisions réglementées non déductibles. Et attention, sont exclus du coup les subventions d'investissement, les amortissements dérogatoires et la réserve de réévaluation légale de 1976. Ensuite, S, c'est pour salaire. Donc ce seront les salaires bruts qui sont versés, c'est ceux en fait qui ont été déclarés dans la DSDN. Et enfin, VA pour valeur ajoutée. Donc je vous renvoie sur vos cours de gestion financière avec le tableau des soldes intermédiaires de gestion. Petit rappel quand même de comment ça se détermine. C'est le résultat courant avant impôt. Moins les charges de personnel, moins impôts, taxes et versements assimilés, moins toutes les dotations d'exploitation, dotations d'amortissement, eaux, provisions, eaux, dépréciations, et moins les charges financières. Alors, on a la formule, il faut la connaître. Maintenant, l'idée, c'est de la comprendre un petit peu et de comprendre la logique. Si on regarde ici, cette réserve spéciale correspond à la moitié, c'est-à-dire qu'on va reverser aux salariés, j'ai du mal, hein. Ah, on va reverser la moitié du surplus entre le bénéfice et les capitaux rémunérés à 5%. Et on va rémunérer à hauteur de la participation, c'est-à-dire de l'impact des salariés dans la création de la valeur ajoutée. Voilà. Donc je vous l'ai écrit ici, c'est la moitié du supplément des bénéfices par rapport à une rémunération du capital à 5% à hauteur de la contribution des salariés à la valeur ajoutée créée. En fait, on considère que le capital il doit être à minima rémunéré à hauteur de 5%. Et tout ce qui est au-delà de ces 5%, donc en fait, on va s'assurer de verser des dividendes aux actionnaires, hein, et au-delà de ces 5%, eh bien, proportionnellement à l'impact des salariés dans la valeur ajoutée, on va leur reverser la moitié de ce qui est en plus en termes de performance économique. Voyons maintenant la comptabilisation de la participation des salariés. Et il faut savoir qu'il y a 4 étapes, hein, les différentes étapes de la vie de cette participation des salariés. Dans un premier temps, on est à la clôture de l'exercice. Il faut savoir que par nature, les droits des salariés sont acquis. Hein, le temps passant, la réglementation fait que les salariés ont des droits acquis. Et que comme la formule est connue, on va pouvoir calculer ces droits de façon anticipée, de façon assez fiable. Donc, il s'agit d'une charge à payer. Point de vue de la comptabilisation, je vous propose ici deux écritures, même si on peut le passer en une seule. Donc, on a la réserve spéciale de participation. Donc, ici, c'est une charge exceptionnelle. Donc, c'est le compte 691, participation des salariés au résultat de l'entreprise. Et pour l'instant, c'est une dette provisionnée. On a dit une charge à payer. Donc, vous voyez, on a un 8 ici en troisième position, pour dire qu'on n'a pas encore le calcul officiel, on va dire, dette provisionnée pour participation des salariés. Et puis, on a vu tout à l'heure que pour l'entreprise, cette participation des salariés était soumise à un forfait social. Donc ce forfait social, on l'enregistre avec des charges de sécurité sociale, le compte 645, par le crédit 431 sécurité sociale. Deuxième étape, les comptes sont approuvés donc en assemblée générale. À partir de là, la dette envers les salariés doit être constatée. Hein, ce n'est plus une charge à payer. Et donc il faut aussi savoir qu'à partir de ce moment-là, cette dette envers les salariés est soumise à CSG-CRDS, donc c'est CSG-CRDS est due par les salariés, d'où l'écriture suivante, où je solde ma charge à payer, 428,4, et je fais apparaître à la place deux choses, d'une part la réserve spéciale de participation, nette de la CSG, de la CRDS, on a dit tout à l'heure, CSG c'est du 7,5%, et CRDS 0,5%, donc on est à 8% de prélèvement par rapport à la dette de départ.
Troisième étape, on va utiliser les fonds, c'est-à-dire que cette réserve spéciale n'est pas destinée à rester en réserve spéciale et il y a plusieurs utilisations possibles de ces fonds. On va pouvoir attribuer des actions, donc soit par incorporation de réserve, soit par achat d'actions propres. On va pouvoir créer un fonds d'entreprise, c'est un fonds d'argent bloqué, et on va éventuellement pouvoir verser à un organisme extérieur, un organisme de placement type plan d'épargne. Donc voici les différences de comptabilisation. Donc, je vais visionner et soit ici, je fais une attribution d'action par incorporation. Donc, je vous renvoie votre comptabilité des sociétés. Soit on fait un achat d'actions propres. Soit on met sur un fonds bloqué. Soit on verse à un organisme extérieur et donc on utilise un compte banque. Donc là, ce qui est nouveau à proprement parler, si vous en êtes vers la fin de votre cours de comptabilité approfondie, c'est la notion de fonds de participation avec le compte 1662 ici. 1662. Quatrième étape, au bout d'un certain temps, donc généralement 5 ans, mais ça peut aller au-delà, les fonds sont disponibles et on va pouvoir les verser. Donc première écriture, les fonds sont disponibles, donc on va solder le compte 166 de compte bloqué et on va utiliser le compte 424.8 compte courant en disant que les fonds sont disponibles. Et puis deuxième étape, on va verser, donc le versement conduit à un crédit 512 banque, mais ça peut être soumis à CSG, CRDS et donc on va solder ce montant des comptes courants. Voilà, autre élément qu'on va voir sur la participation, enfin sur la rémunération complémentaire des salariés, il s'agit de l'intéressement. On va voir que c'est sensiblement ressemblant, voilà, je ne sais pas si on peut dire ça, à la participation des salariés. Alors, et cela résulte cette fois-ci d'un accord interne. C'est un système qui est indépendant de la participation des salariés. En fait, ça peut être complémentaire. On peut avoir et de la participation des salariés et de l'intéressement, ne pas avoir de participation mais avoir de l'intéressement, ou avoir de la participation et pas d'intéressement. Donc complètement indépendant. C'est un système qui est valable pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et ça résulte d'un accord interne, c'est-à-dire que l'entreprise va rédiger un accord d'intéressement dans lequel, en particulier, elle va déterminer la formule de calcul de l'intéressement. Cette formule de calcul doit montrer que l'intéressement dépend du résultat de l'entreprise. La formule est complètement libre. Par contre, pour la période de calcul, c'est minimum 3 mois. Ce montant global, par contre, est limité. C'est-à-dire que le montant de l'intéressement est un montant maximal de 20% des salaires bruts. On ne peut pas verser plus de 20% des salaires bruts sous forme d'intéressement. Et enfin, on retrouve un régime social qui correspond à la participation des salariés, puisque pour les entreprises, c'est soumis à un forfait social de 20% pour les entreprises de plus de 250 salariés, et pour les salariés, ils sont eux soumis à CSG et CRDS. Qu'en est-il de la comptabilisation? Cette fois-ci, il y a trois étapes à connaître. Première étape, on est à la clôture de l'exercice, et comme dans le cas d'une participation, les salariés, comme il y a un accord qui est rédigé, ont des droits qui sont acquis. Et dans cet accord, il y a une formule de calcul, ce qui fait que le calcul de ces droits est assez fiable. Conclusion, on a une charge à payer. En termes d'écriture comptable, on va retrouver quelque chose qui ressemble. Ce n'est pas les mêmes comptes. Ici, on va utiliser le compte 641.4. Donc, si vous regardez, on est dans des charges de personnel. Donc, l'intéressement est bien perçu par la comptabilité comme un complément au salaire. Avec le compte 428.6, hein, donc on retrouve le 8, considérant que c'est une charge à payer. Et pour le montant de l'intéressement de l'exercice, n'oublions pas le forfait social de 20% de l'entreprise qui, là encore, constitue une charge de personnel. Et on va utiliser le compte 438.6 Sécurité sociale en attente du montant défini par la Sécurité sociale. Deuxième étape, on est cette fois-ci à l'approbation de l'intéressement. Donc, comme dans le cas d'une participation, lors de l'Assemblée générale ordinaire, on va voter ce fameux intéressement. On va donc constater à partir de là la dette envers les salariés et également la dette des salariés envers, entre guillemets, de CSG, CRDS. Donc, l'écriture est la suivante. On solde notre charge à payer, donc on solde notre 428.6 et on fait apparaître une dette envers les salariés et une dette de CSG, CRDS. Troisième étape, le versement des fonds. Alors ici,
Ce versement des fonds, il peut avoir lieu de deux façons différentes. Soit on va directement le distribuer aux salariés, soit on va le mettre dans des fonds bloqués. Ça peut être un plan d'épargne, on en parlera juste après. Donc ici, on va solder la dette envers le personnel et on va soit payer, soit mettre dans un plan d'épargne entreprise. 424.7, c'est le versement des fonds. Il est donc important de compléter ces différentes modalités par l'analyse des plans d'épargne. Donc on va voir dans un premier temps le cadre légal et on verra comme précédemment la comptabilisation de ces plans d'épargne. Les plans d'épargne, il s'agit en fait d'une épargne collective. Ces plans d'épargne sont définis par le Code du travail qui dit « Le plan d'épargne entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés la faculté d'épargner avec l'aide de celle-ci à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. » Donc en fait, on va retrouver trois types de plans. On a des plans d'épargne entreprise, des plans d'épargne inter-entreprise, et on a des PER, des plans d'épargne pour la retraite collective. On va même avoir des PERCO-I, c'est-à-dire des plans d'épargne pour la retraite collective inter-entreprise. Donc on va voir un petit peu les petites différences qu'il y a. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on vous constitue un plan d'épargne et en contrepartie, l'entreprise va prendre en charge la gestion de ce portefeuille boursier, parce qu'il s'agit de ça, avec différentes modalités de blocage des fonds. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit forcément d'utiliser les fonds comme on veut. Il y a certaines conditions et une certaine durée avant de pouvoir utiliser ces fonds. Par exemple, les plans d'épargne retraite, les fonds ne pourront être utilisés que lors du départ à la retraite. Quelles sont les modalités d'alimentation de ces plans d'épargne qui sont liés aux entreprises? Alors, ça peut être évidemment alimenté par les salariés. Il faut savoir que dans ce cas-là, les sommes sont soumises à la CSG-CRDS. Donc, soit ce sont des versements volontaires. Attention, on ne peut pas verser plus de 25% de sa rémunération annuelle. Soit, en fait, ça résulte de la participation et ou de l'intéressement. Et dans l'accord, on a décidé que cette participation ou cet intéressement allait être versé au plan d'épargne. Ça peut être aussi une alimentation par l'entreprise, avec des sommes cette fois-ci soumises au fameux forfait social de 20%. Au minimum, en fait, l'entreprise va prendre en charge les frais de fonctionnement du plan. Donc, en fait, c'est des frais de gestion d'un portefeuille boursier, hein, des frais d'opération. Mais elle peut éventuellement faire des versements complémentaires, ce qu'on appelle des abondements. Hein, ce terme de vocabulaire, il est vraiment important, vous devez le connaître, d'un point de vue technique. Donc, dès que vous aurez des plans d'épargne, il faudra parler d'abondement de l'entreprise. Et il faut savoir que ces montants sont réglementés hein, en maximum en fait. L'abondement peut être sur un plan d'épargne d'entreprise maximum de 8% du montant annuel du plafond de la sécurité sociale et sur des PERCO de 16% du montant actuel du plafond de la sécurité sociale et maximum 3 fois le montant déposé par les salariés. Hein, donc voilà, on a différents cadrages qui permettent de limiter le paiement, en fait, la rémunération des salariés. L'objectif est de faire en sorte que la rémunération d'un salarié reste majoritairement son salaire et que ces différentes modalités, que ce soit participation, intéressement ou plan d'épargne, ce soient des modalités complémentaires et que ça ne devienne pas des modalités principales avec les conséquences que ça peut avoir en termes de social, hein, de gestion du social. La comptabilisation maintenant de ces plans d'épargne, on va voir qu'il y a trois étapes. Première étape, les versements des salariés ou le versement des salariés. Alors en fait, les salariés ont trois possibilités. Soit ils versent de l'argent directement, soit ils utilisent la réserve spéciale de participation, soit ils utilisent l'intéressement. On a donc ces trois possibilités qu'on retrouve dans cette écriture-là. Donc soit ça vient de la réserve spéciale, on va débiter 424.6. Soit ça vient de l'intéressement, donc c'est dû, mais en fait ce sera versé, entre guillemets, sur le compte, sur le plan d'épargne. Soit c'est un versement d'argent. Et donc c'est mis sur le compte 424.7, personnel, soit PE, soit PUI, soit PERCO, voire PERCO-I, on a dit. Donc ça c'est première étape, le versement au plan d'épargne. Deuxième étape maintenant, l'abondement par l'entreprise. Donc c'est le versement sur le plan d'épargne, mais par l'entreprise. Donc cette fois-ci, c'est considéré comme des charges de personnel. Alors attention, on a deux choses. On a les charges, l'abondement qui résulte en fait du calcul de l'entreprise. Et puis, il y a aussi sur cette partie d'abondement, le forfait social de
20%. Et donc, on a un abondement sur le plan d'épargne entreprise et une partie qui est due pour la CSG, pour le forfait social, donc à la sécurité sociale. Et enfin, cette fois-ci, c'est l'utilisation des fonds. Donc, on a dit précédemment que la durée de blocage des fonds dépendait du plan d'épargne. En particulier, on a parlé du plan d'épargne retraite où les fonds ne sont débloqués qu'au départ à la retraite, sauf cas exceptionnel. Et donc, dans ce cas-là, voici le schéma d'écriture qu'on a. Donc, on va solder, enfin, on va débiter le compte plan d'épargne entreprise. On a éventuellement des frais d'opération. Donc, on va retrouver des différents frais. Et puis, ces frais sont souvent soumis à TVA. Et bah, les fonds vont être versés aux salariés. Voici donc pour cette vidéo sur la participation et l'intéressement des salariés et des plans d'épargne. J'espère que vous avez compris le principe général, les différentes étapes et les schémas de comptabilisation. Des petits exercices sont, je pense, nécessaires pour compléter, mais là, c'était assez long comme vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un commentaire et puis partager si ça vous a plu. Je vous souhaite bon apprentissage et à bientôt.